discours, Monsieur le Président, au Congrès. Vous avez été très dur pour une certaine administration, pour certains responsables de cette administration. Et vous avez dit que vous alliez procéder à un grand nettoyage pour supprimer la corruption. D'où vient cette corruption? Vous savez, Monsieur François, avant de vous répondre sur la question, je voudrais un peu que vous posiez des questions à certains de vos compatriotes installés dans ce pays depuis des années, même s'ils sont là avant, depuis bien avant l'indépendance. Vous savez, ce qui parfois blesse, ce qui parfois choque, c'est quoi? C'est de constater que chaque fois, il y a des manchettes dans les journaux, dans la presse chez vous, lorsqu'il y a une affaire genre ce qui s'est passé en 67 avec l'ex-Union minière, l'ex-Socobank, devenue depuis lors la Banque du Peuple, une affaire genre la Cotonco. Mais jamais une seule fois, je dis bien jamais une seule fois, un petit entrefilet, un petit articulé pour dire « Ah voilà, grâce à l'intervention efficace de Mobutu, les forces de l'ordre sont arrivées, sont intervenues, bon voilà, tel colon installé là-bas, maintenant la vie sauve. » Ah bon, on a fait ceci, Mobutu vient de signer une ordonnance pour permettre aux banques privées d'avancer des crédits à telle entreprise agricole, tout ça. Rien, absolument rien. On attend toujours. Lorsqu'ils savent eux-mêmes qu'ils sont responsables, mais pas Mobutu. Mobutu est un nationaliste. Mobutu n'est pas là pour faire plaisir. Mobutu est là pour défendre les intérêts de son peuple. C'est ça, c'est ce qui devait être compris une fois pour toutes. Vous avez connu l'affaire VU avec la maison d'Itrel, frère, chez vous. Mais enfin, lorsque je lis certaines bévues dans la presse, ça choque. Inutilement. Mais n'exagérons pas, depuis deux bons mois, depuis trois bons mois, les choses ont l'air de très bien marcher. S'il n'y avait pas cette malheureuse affaire Cotoni, ex-Cotonco, Mais là aussi, ces messieurs ne peuvent pas avoir des inquiétudes. Leurs usines sont leurs propriétés. C'est à eux. Ce n'est pas à nous. Nous n'allons pas y toucher. On a réquisitionné ces affaires uniquement dans le but de faire, de traiter le coton, c'est tout. Et nous avons passé des commandes. D'ici quelques mois, nous aurons nos propres usines. Ils peuvent garder sur place leurs usines ou bien les démonter, aller avec en Belgique traiter le coton là-bas sur place. Quant à la question qui touche à la corruption... D'où vient-elle? Ah oui, mais ce n'est pas un mal propre à la République du Zaïre ou aux seuls Zaïrois. C'est un mal qu'on trouve partout, dans n'importe quel pays au monde, même chez vous. Qui nous a appris la corruption? Je crois que c'est vous autres. Je vous parle ici franchement. Qu'est-ce que vous appelez corruption? Avant mon avènement, de 60 à 65, donc lorsqu'on venait avec de l'argent, dire par exemple à un politicien, allez, faites ceci, faites cela, lorsqu'on va chez un militaire, allez, prenez l'argent, il faut renverser Mobutu, il faut provoquer des troubles, Tchombe, s'il a été à la base de la corruption, pardon, de la sécession, c'est parce qu'on l'avait corrompu, ça, ce n'est pas un mal, une nouvelle invention du Zaïre. Donc, c'est de l'importation. C'est pourquoi nous combattons ce mal d'importation. Vous êtes montré très sévère l'autre jour dans votre discours en faisant allusion au fait que cette corruption s'est peut-être installée à tous les niveaux de l'administration. Vous avez parlé d'un grand nettoyage. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Est-ce que vous n'allez pas faire énormément d'ennemis? C'est déjà en cours. Ennemis dans ce pays, non? Au contraire. Au contraire, le chef ne peut pas tenir deux langages. Un langage pour épater la foule et un langage pour faire plaisir aux amis et tout ça. Mais les ennemis, à partir du moment où ils ne sont pas dans le peuple, à partir du moment où le peuple est sain, c'est ça. Ça suffit en fait. Mais pour réaliser ce grand nettoyage, entre guillemets, il vous faut une
une discipline très grande de la part de votre peuple et on aborde alors le problème politique que vous avez d'ailleurs aussi abordé dans votre discours. Depuis 1967, le Zaïre connaît un parti unique, c'est le régime du parti unique. Un parti national. Un parti national. C'est ça. Certains diront que ça ne laisse pas le choix entre plusieurs partis. D'autres diront que c'est une formule qui est la plus valable pour instaurer la stabilité politique au Zaïre. Qu'est-ce que vous dites pour défendre? Entre nous, franchement, Monsieur François, voilà. Maintenant, en le disant, vous péchez vous-même. C'est un péché contre l'authenticité. Parce que, autant me dire à moi, tant que vous n'aurez pas autant de partis politiques comme en Belgique, bon, ce n'est pas de la démocratie. C'est ça. Mais comment voulez-vous que je puisse, moi, Zaïrois, agir en Belge, moi qui ne suis pas belge, moi qui ne suis pas français? Comment voulez-vous un seul instant que je puisse jouer aux penseurs belges, aux penseurs anglo-saxons, français? Je ne suis pas anglo-saxon, je ne suis pas belge, je ne suis pas français ni italien, je suis zaïrois. Mais vous êtes, vous autres, un monde d'opposition. C'est dans l'opposition que vous essayez toujours de trouver la vérité. Mais par contre, nous, Zaïrois, nous sommes plutôt un monde de juxtaposition. Nous sommes pour le dialogue. Et puis, le chef, chez nous, ça ne se discute pas. Vous nous avez colonisés. Citez-moi un seul village, et Dieu seul sait si on a des millions, un seul village où il y a deux chefs. Un seul village où on vous dira, voilà, au milieu, la grande maison, c'est la maison du chef de la majorité. Au bout du village, c'est le leader de l'opposition. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas dans nos traditions. Deux chefs, je l'ai dit dans mon discours, deux têtes sur un seul corps, c'est déjà un monstre pour nous. C'est un luxe dont on ne veut pas ici au Zaïre. Le chef d'abord, ça ne se discute même pas. Donc pour vous, tant que les gens de l'opposition n'auront pas sifflé Mobutu, n'auront pas jeté des pierres sur la voiture de Mobutu, donc la démocratie n'existe pas au Zaïre. Mais le jour où on proclamera pour le Zaïre quatre partis politiques, allez, pam, 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 les caméras arrivent, les caméramènes pour filmer, ah, bagarre au Zaïre, le parti démocrate chrétien, majoritaire, le parti socialiste en seconde position, ce n'est pas propre aux Zaïrois, ce n'est pas propre aux Bantous que nous sommes. Nous ne sommes pas belges. Vous risquez de pécher contre l'authenticité. Laissez-nous vivre comme nous l'entendons. Prenez-nous tels que nous sommes. Pas comme vous voudriez que nous soyons. Par contre, vous avez répondu aussi au cours du congrès à ceux qui pourraient penser que votre régime étant basé sur un parti unique, que ce régime ressemble à certains régimes que l'on connaît, et on pense surtout au régime de l'Est. Et même là-dessus, mon cher François, le Zaïre est un cas à part. On ne peut pas nous comparer avec n'importe quel pays. Citez-moi, par contre, un seul pays en Afrique. Je ne dis pas au monde, mais en Afrique. Où vous avez un militaire à la tête du pays, où dans le bureau politique, pas un seul militaire. Au sein de l'équipe gouvernementale, pas un seul militaire. Dans l'administration, aucun militaire. À la tête des provinces, des districts, des territoires, aucun militaire. C'est ça, la démocratie à la Zaïroise. Pas nous. Nous sommes un cas à part. Précisément, monsieur. Vous me coupez, vous me tranchez la tête aujourd'hui. Plus d'un militaire au pouvoir. Le militaire, ce qui l'intéresse au Zaïre, c'est la caserne, c'est le maintien de l'ordre, la sécurité. Un point, c'est tout. Le militaire ici, ce n'est pas pour le gouvernement, le bureau politique, être gouverneur, non. Sa caserne, son canon, sa mitrailleuse, et en plus de ça, l'éducation populaire, civique, qui lui est donnée. Parce que nous sommes la seule armée au monde où il existe une direction de l'agriculture.
autour de chaque camp, de chaque campement, vous avez des élevages. On cultive. Il a la houe et il a le fusil. Tantôt, on fait passer la houe à la main gauche, le fusil, main droite, et puis le lendemain, le contraire. Voilà le militaire zaïrois. C'est unique. Vous répondez peut-être déjà à la question que je voulais vous poser, Monsieur le Président. En fait, c'est le général Mobutu, à l'époque, qui a pris le pouvoir en 1965, alors que le pays était plongé dans le chaos. Et le général Mobutu, c'était un militaire, et pendant 2 ans, on a pu penser que l'armée avait réinstallé l'ordre dans ce pays. Et puis, il y a eu le mouvement populaire de la Révolution que vous avez créé. Alors, est-ce que il n'y a pas danger de voir s'installer un mauvais esprit entre le mouvement populaire de la Révolution, d'une part, et l'armée, d'autre part, qui pourrait se sentir frustrée, puisque c'est elle qui vous a placé au pouvoir? Mais, encore une fois, voyez-vous, monsieur... Vous allez me dire que je raisonne à l'occidental. Mais c'est ça, justement. Ici... Au Zaïre, nous sommes une société intégrée. Intégrée veut dire que le militaire ne forme pas une caste à part. Le civil n'est pas à part. Tout le monde dans une même et seule famille que nous appelons la nation zaïroise, avec un seul chef. Le but à atteindre est le même pour tout le monde. La sécurité, c'est l'affaire du militaire et de tout le monde. L'industrialisation, bon, le gouvernement s'en occupe, tout comme la planification, tout, c'est l'affaire de tout le monde. Personne n'a le droit de dire si ça va mal, ah, c'est la faute des militaires, parce qu'ils n'ont pas très bien assuré la sécurité. La jeunesse fait la sécurité. Chaque citoyen de la République fait la sécurité. C'est l'affaire de tout le monde. Si l'agriculture va mal, c'est l'affaire de tout le monde, parce que le militaire s'occupe de l'élevage aussi, s'occupe de l'agriculture aussi, c'est l'affaire de tout le monde. Vous voyez, on ne laisse plus à qui que ce soit de s'occuper d'une seule branche, d'un seul secteur, pour qu'on dise, ah, si ça va mal, c'est... Non, c'est l'affaire de tout le monde. Vous avez vu, n'est-ce pas, au Congrès, la participation de tout le monde. Tout le monde était là. Le syndicaliste, le militaire, l'inspecteur de la police, l'ambassadeur, le gouverneur, l'administrateur de territoire, le commissaire de district, tout le monde. Les chefs coutumiers, les représentants des églises, tout le monde. Monsieur le Président, on en vient maintenant, si vous le voulez bien, au rapport entre l'État et l'Église, qui ont été quelque peu perturbés ces temps-ci, avec notamment l'affaire Maloula. Qu'en est-il exactement de ces rapports? C'est chez vous, en Belgique, qu'on a exagéré l'affaire. On a monté en épingle cette affaire dans le seul but de nuire. Voilà, cette fois-ci, qu'on a Mobutu, il a touché à l'église. Bon, allez. Qu'on trouve un nouveau Godefroy de Bouillon, guerre sainte contre Mobutu. Voilà tout ce qu'on voulait. Or, l'affaire Maloula n'avait rien à voir avec l'État d'un côté ou l'Église de l'autre. Pour nous, c'était un individu citoyen zaïrois. Citoyen zaïrois avant tout. Donc, censé se soumettre aux lois nationales de son pays avant la loi canonique. C'est clair. L'homme qui vous parle est un catholique comme Maloula. Hein? En Belgique, il suffit de rien parce qu'il s'agit de Mobutu. Allez, voilà. On ne l'a pas eu du côté économique. Allez, voilà, il a touché à l'église. Allez, guerre sainte. Allez, toute la catholicité contre Mobutu. Voilà. Qui a finalement raison? Mobutu a raison. Mobutu ne voit que les intérêts de son pays. Avant tout autre chose. Lorsque les intérêts de la République du Zaïre sont en jeu, il m'arrive même d'oublier que je suis catholique. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Maloula. Je dis bien l'affaire Maloula, mais pas conflit Église-État, comme vous le dites là. Tout ce que nous demandons à Maloula, c'est ça. C'est de se sentir avant tout zaïrois. Parce que pour nous, il est né zaïrois avant de devenir prêtre. Zaïrois, il est prêtre de Dieu, il l'est devenu. Seulement par après. C'est clair. Et vous n'entendez pas que les responsables de l'Église se mêlent de la politique?
Il n'en est pas question, c'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux, mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. Hein? À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. On ne peut pas, vous voyez. Encore une fois, vous péchez contre notre authenticité. Il ne faut pas voir nos problèmes ici comme si nous étions des Belges. Nous avons été colonisés par la Belgique. C'est historique. On ne peut pas le nier. L'histoire nous marque, vous marque là-dessus, c'est tout. Mais une seule chose est certaine, c'est que malgré cette colonisation, ne croyez pas que vous avez laissé 21 millions et demi de Belges ici. Non, depuis l'indépendance, disons plutôt depuis le 24 novembre 1965 jusqu'à ce jour, mon travail consiste à rappeler à chacun de mes concitoyens que nous sommes des Aïrois, nous devons le rester. C'est ça l'authenticité. Et pour en revenir à l'affaire Maloula, c'est clair, c'est une affaire déjà réglée, ça appartient au domaine du passé. On peut en parler, mais à l'imparfait, c'est fini tout ça. Mais je suis sûr qu'à son retour, il comprendra ses erreurs du passé et il s'en sortira désormais plus aïrois que jamais. C'est ça le problème. Le Zaïre a besoin d'un chef unique, c'est la psychologie africaine. Vous l'avez souligné à plusieurs reprises au cours de notre entretien. D'aucuns, réfléchissant sans doute une fois de plus à l'occidental, diront que c'est presque le culte de la personnalité. Qu'est-ce que vous répondez? Mais, entre nous, franchement, voyez-vous, ça me fait rire. Pourquoi? Ça me fait rire parce que je me réfère ici à vos journaux. De 60 à 60, pagaille. Il n'y a pas d'autorité. Bon, même le chef de l'État à Kinshasa, son autorité ne va pas au-delà de Léopold, du périmètre de Léopoldville à l'époque. Maintenant que je suis là, maintenant que tout mon peuple est derrière moi, pas parce qu'on court derrière avec des mitrailleuses, applaudissez, criez Mobutu, non, parce que ce peuple a pris conscience de ses responsabilités. Ce peuple a compris qu'il lui fallait son unité, qu'il lui fallait l'union de tous les enfants de ce pays, l'union de tous les cœurs, un engagement formel d'être un dans une seule même nation, dans une seule famille. Maintenant, ah, ça ne va pas, ah, dictature, culte de la paix. Mais quel culte? Ça, c'est le bantou. C'est la façon du bantou de glorifier son chef. Il n'y a pas de culte ici. On ne court pas derrière qui que ce soit, applaudissez, allez, vous n'avez pas crié fort. Non, au contraire, il est fier de son chef comme le chef est fier de son peuple, c'est tout. Un chef unique, monsieur le président. Unique, non. Vous voyez, c'est ce mot unique qui ne nous convient pas. Lorsqu'on dit parti unique, nous ne sommes pas un parti unique, nous sommes un parti national. Tout chez nous tire son origine du mot nation. Lorsqu'on dit nationalisme, ça part du mot nation, parti national, parce que tous les enfants de ce pays sont dans le MPR, parti mouvement institutionnalisé. C'est ça, unique, chef unique, voyez, à l'occidental, oui, mais à la zaïroise, non. Alors disons tout de même que vous êtes le seul chef, mais est-ce que Mobutu, le seul chef, n'est pas aussi très seul lui-même? On a parlé de Mobutu, l'homme seul. Si vous seul. Dites le seul chef ou le chef unique, si vous dites incontesté, oui. Il n'est pas contesté par son peuple. C'est ça. Unique, comme si c'était un chef imposé. En 65, oui, je me suis imposé pour mettre fin à l'anarchie à Pagaille. Et ce que j'avais dit à mon peuple, le dimanche 12 décembre 65, lors de mon premier meeting populaire à l'actuel stade du 20 mai, était très valable. Ça émanait d'un soldat lorsque je dis que c'était pour 5 ans. Mais les choses ont évolué rapidement et au terme de mon mandat, je me suis trouvé là devant une situation que je n'avais pas prévue le 24 novembre 1965.
C'est ça la situation, c'est ce qu'il faut comprendre. Pour moi, le 24 novembre 65, c'était le retour à l'état-major général. Mais d'aucuns peuvent croire que je préparais mon avenir, ma situation, mais c'est la situation qui a évolué autrement. Mais dire, comme vous le dites là, qu'il est un peu trop seul, je ne crois pas. Trop seul, si vous faites allusion peut-être au cadre, à certains dirigeants qui m'entourent, ça, depuis la création du monde, c'est pareil. Dieu, créateur, suivant les Écritures, cette difficulté avec Lucifer, le Christ qui est venu sur terre, le mystère de la rédemption, cette difficulté avec Judas, de son entourage, ça, tous les entourages, toutes les cours du monde, c'est pareil, depuis que le monde est le monde. Mais j'ai ma conscience tranquille parce que mes difficultés ne viendront jamais du peuple. Vous voyez, c'est ça ma force. Je puise ma force dans le peuple, c'est ça. Est-ce que le président qui se trouve à la tête d'un pays comme celui-ci, avec toutes les difficultés que ça suppose, puisque c'est un pays encore sous-équipé, qui doit se créer, qui doit se trouver. Est-ce que ce président n'a pas peur parfois? Peur de qui, M. François? Peur de quoi? Peur de l'avenir, peur de la charge des responsabilités qu'il prend. Lorsqu'on a peur des jaloux peut-être aussi. Lorsqu'on a un peuple comme le mien, on s'en fout du reste. Je dis un peuple comme le mien. Parce que au moindre geste, ce peuple sera debout comme un seul pour se ranger derrière moi et qu'on avance dans la bataille. Alors, avec ça, je ne peux pas avoir peur. Et ma conscience ne me reproche absolument rien. Ma conscience est toujours tranquille. Parce que j'ai de la confiance de tout mon peuple, indistinctement. Vous voyez, vous avez combien de tribus dans ce pays? Combien de dialectes dans ce pays? Et lorsque vous arrivez n'importe où, dans n'importe quelle collectivité locale, dans n'importe quelle circonscription, dans n'importe quel territoire, district, province, dans n'importe quelle tribu, clan et tout ça, on ne discute pas Mobutu. Mobutu, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est ça la force de Mobutu. On ne peut pas avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Je voudrais en revenir un peu à la Belgique, Monsieur le Président. Oui. Vous dites qu'on vous critique souvent en Belgique. On pourrait peut-être dire aussi que lorsque quelque chose ne va pas au Zaïre, on a tendance plus facilement à accuser les Belges que les autres étrangers qui se trouvent ici. Est-ce que ça n'est pas dû au fait qu'il y a des liens particuliers qui lient les Belges et les Zaïrois et qu'eux qui aiment bien Châtillon? Oui, il y a un peu de cela. Vous avez raison, c'est vrai. Mais ce que nous n'avons pas toujours supporté, c'est l'ingérence par trop manifeste. Je ne dis pas des Belges, mais de certains Belges. Dans nos affaires, vous avez parlé il y a quelques instants du coton et des cotonniers. Oui. Lorsqu'une affaire de ce genre arrive, tout de suite monté en épingle et on présente l'affaire au peuple belge comme si c'était une guerre, une affaire dirigée contre le peuple, or que c'est une affaire de 7, 8, 9, 10 messieurs par maximum. Il m'arrive souvent, presque tous les jours, disons-le, de lire les pages économiques et financières de vos journaux. Qu'est-ce que j'y trouve? Bon, 9 messieurs représentant X centaines de milliers d'actions se sont réunis et c'est ça l'Assemblée Générale. 9. Alors, de quel droit est-ce que ces 9 messieurs peuvent-ils parler au nom de 9 millions et demi de peuple belge, de la population belge? C'est ça où il y a le hiatus. Mais très franchement, Monsieur le Président, est-ce que quelques lignes de critique dans n'importe quel petit journal belge ne vous font pas plus mal que tout un article dans un journal français ou américain? Non, voyez-vous, vous souffrez, vous autres Belges, encore de ce complexe de colonisateur. Je suis sûr que vous n'êtes pas encore
tout à fait guéri. Mais par contre, le complexe de coloniser n'existe plus au Zaïre. Pour nous, c'est l'indépendance. Et puis, ça nous suffit. Et nous voyons cette indépendance de la manière suivante. L'indépendance pour nous, c'est comme ce qui existe entre vous, Belges et les Hollandais. Vous avez été sous leur domination depuis 1830. C'est terminé, on n'en parle plus. Mais vous êtes dans le Benelux avec les Hollandais. Vous êtes dans le marché commun avec les Hollandais. Vous êtes dans l'OTAN avec les Hollandais. On a mis, c'est tout. Voilà. Il faut que ce soit la même chose entre Belges et Zaïrois. Vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus? Si, entre Britanniques et Américains, c'est la même chose. Mais vous croyez que les Américains sont... les Anglais sont froissés parce que les États-Unis, leur ancienne colonie, maintenant, ça passe comme la première puissance militaire, économique du monde avant eux. Ils sont froissés avec ça. Mais ne croyez-vous pas, Monsieur le Président, que dans l'avenir, les Belges seraient très fiers si le Zaïre devenait le premier pays de l'Afrique? Ah non, il ne faut pas dire dans l'avenir, tout de suite. Maintenant, au moment où nous parlons, il faut que notre réussite, notre succès puisse être un motif de fierté pour nos amis belges. Il ne faut pas que, parce qu'on n'a pas réussi avant l'indépendance à construire Inga, Mobutu le fait, bon, il faut bouder. Ah non! Il faut plutôt s'en féliciter. Dire, voilà, un ami, nous l'avons colonisé, mais maintenant, ça peut être un motif de fierté. Regardez un peu ce qui se passe autour de nous ici en Afrique. Chez les autres, lorsqu'il y a un succès comme ce qui se passe ici chez nous, mais leurs anciennes puissances et tout ça sont fiers et contents de cela. Tout ce que nous demandons, et pour moi, c'est un message que je vous demande de transmettre au peuple belge, à commencer par les souverains belges qui sont des amis du président Mobutu et de sa femme. Ma femme est déjà chez vous pour la première communion de mes deux garçons demain. Qui sont en Belgique, oui, ici, alors que vous pourriez les passer à Paris ou à Genève. À Saint-Michel, puisque je paye moi-même, je peux les envoyer en Suisse, au Canada, en France, mais ils sont chez vous depuis l'indépendance. Alors vous voyez que c'est un signe manifeste d'amitié. C'est cela. Que toutes nos réalisations, dont quelques-unes sont spectaculaires, je parle ici d'Inga, je parle ici de Magoukou, de la CV, tout ça, que ce soit vraiment un motif de fierté en disant, voilà, nos amis en Afrique, au cœur de l'Afrique, bon, sont devenus une puissance économique, une puissance, mais pas qu'on se réjouisse de nos difficultés passagères, les économistes diraient conjoncturelles. Voilà. Je vous remercie.